Eh bien salut Sanji, bienvenue pour la notre aventure sur Chrono Trigger. J'espère que vous allez bien. Nous avons combattu un boss lors du précédent épisode, la montagne, les monts d'Enadoro. C'était assez violent quand même en termes de combat, on a eu un gros boss à la fin. Et on a récupéré un morceau de l'épée légendaire. Alors est-ce qu'elle est affichée au niveau, non pas des équipements mais de l'inventaire. J'imagine dans les objets hop, rares. Ce n'est pas ici. Est-ce qu'on l'a récupéré quelque part? Ah, lame brisée. Voilà, on l'a ici. Lame brisée. Attaque 0, la lame de l'épée légendaire. Mais elle est brisée, hein, comme son nom l'indique. Il va falloir peut-être trouver quelqu'un qui va pouvoir nous aider. Je vais peut-être aller voir la grenouille. Est-ce qu'il n'y aurait pas une personne à aller voir avant? Demeure de Fiona. On va aller revoir tout ça. On va aller voir tout ça. Puisqu'il y a le truc du héros. Attendez qu'on l'a aidé. Ok. Et voir au village d'en dessous. Assez rapide. Assez rapide. Maison du maire. Peut-être le maire. Monsieur. Restez dans la montagne. Blablabla. Ok. Mais non, rien du tout. Rien du tout non plus. Tout ça, ça change pas. Et voir maison de Tarta. Maison de... Tiens-toi. Je suis désolé, c'est un homme à l'apparence de grenouille qui l'a laissé tomber à la taverne alors qu'il était sous. Je pensais que je pourrais la revendre à prix fort en ville, mais tout le monde s'est mis à me traiter en héros, alors j'ai décidé de jouer le jeu. Ah. Mais je ne suis pas à la hauteur, je n'ai rien d'un héros légendaire, je n'ai assez. Tenez, je vous donne la médaille. Je m'en doutais bien, j'ai si honte que je pourrais pleurer. C'est vrai qu'il était bien content au début, hein. Non, les pieds sur terre. Ok, donc va falloir aller voir la grenouille maintenant. Est-ce qu'on l'a récupérée? Tac, 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 tac. La médaille. Attendez, une médaille. Médaille du héros. Probabilité de coup critique avec Grand Léon. Oh, bon, pour le moment, je peux pas équiper Grand Léon. Mais ça montrera les coups critiques plus tard. Donc va pas falloir que j'oublie. Puis on va rejoindre notre ami la grenouille du coup. Hop! Alors toi, est-ce que c'est tout bon? Vous êtes revenu? Oh, cette médaille. Je vois, vous avez donc rencontré ce jeune garçon toutefois. Je ne peux rien contre Magus. Quand Léon n'est pas le légendaire nécessaire pour combattre Magus, elle est... Peu importe. Même si je l'avais, je serais indigne de la manie. Ne pourriez-vous pas me laisser tranquille? Mais non. Mais nous, on t'aime bien, nous. Une poignée brisée, c'est un morceau de Grand Léon. Ah! Il y a quelque chose de gravé en lettres antiques, je crois que je peux le lire. Bosch? Attends, Bosch. Bosch, on connaît un Bosch, non? Bosch? Ah bah voilà. Notre Bosch? Celui de Medina? Qu'est-ce que ça signifie, Agito? Ah. Oh, il y a du mystère. Il n'existe personne dans ce monde qui pourrait restaurer Grand Léon. Peut-être faut que j'aille restaurer Grand Léon et je viens le revoir du coup. Donc faut retourner à Medina. On va esquiver les combats de monstres. J'ai pas envie de les faire. Et ben on va devoir en faire. Il va falloir retourner à Medina. C'est plein d'enflammés, eux. Glace-toi. Donc retourner chez nous, aller voir Bosch. Et il y aurait possiblement quelque chose à faire avec lui. Ou va nous raconter peut-être une histoire. Donc c'est à dire faut qu'on quitte cette zone. C'était comme aller au village au nord. On va voir s'il y a des gens à qui parler. Ça tombe jamais. Bling. Ah bouffe ton pote. Il l'a tué avec 7 points de vie. Là, il leur restait pas grand chose en saut. Puis maintenant on va les combattre. On va les combattre, on va les tuer surtout. Ouh. Vas-y, vas-y, c'est ton pote toi aussi. Voilà. Comme ça, j'ai besoin de m'en occuper. En effet, 3 et 7 points de vie restaient. Hein. Restait vraiment rien du tout. Piou. 106. Fait des dégâts quand même. Le dernier boss qu'on a combattu quand même, il nous a fait bien mal. On m'a dit aussi quand il y a des monstres qui préparent des attaques, des fois faut les frapper. Des fois c'est l'inverse. Soit ils vont faire des contres, soit faut les frapper pour les arrêter. C'est vrai qu'on pouvait y aller, mais non.
Maison du maire. Ça monte dans le coquillage arc-en-ciel, nous pouvons fabriquer. Cependant, donc toujours le coquillage arc-en-ciel. Ouais, mais non, je crois qu'on va juste retourner voir Bosch. C'est tout. Pour moi, faut faire ça, on va se barrer. Hop. Notre Bosch. Notre Bosch. C'était d'ici? C'était au Montrus, oui, c'est au Montrus qu'il faut retourner. Poche du présent en rapport aussi avec le passé. Alors, je crois qu'il y a un bouton pour fuir le combat qu'on n'a jamais fait. C'est quoi? Ça, c'est pour changer, on s'en fiche. Escape. Voilà. Comment je fais? Fuite, ok. Appuie sur LB et RB pour moi. Les deux en même temps, j'ai l'impression. Et après, faut attendre le tour pour pouvoir fuir. Comme ça, on sait pas tous les combats. Et on l'a jamais fait. En plus, je l'avais jamais montré. C'est vrai que moi, quand je fais des combats dans ce jeu, bah, je fais tous les combats. Puis on voit, de toute façon, c'est très important parce qu'en termes de niveau, j'ai le niveau qu'il faut. Ah, mais il y a un coffre ici. Potion que je n'avais jamais vue. Et toi? Vraiment, il y a des endroits où ça a la mémoire des temps, des points de sauvegarde permettent de marquer des étapes lorsque vous entendez les yeux hostiles. Ce n'est qu'une réplique, si vous trouvez un vrai point de sauvegarde, pensez à sauvegarder. Ouais, ouais, ok. Bon, j'ai toujours le souci, hein, depuis la dernière mise à jour où mon personnage est beaucoup plus lent. Comment fonctionne le menu? Non, c'est tout bon. C'est un truc dead, en fait. Ça semble être en vrai, c'est ça, c'est un truc dead. J'ai jamais visité cet endroit. Il y a encore un coffre derrière. 100 gold. Ouais, c'est ça, c'est vraiment, ils expliquent tout ici, ok. Et moi, c'est pas ce qui m'intéresse. On cherche Bosch. Bon, c'était bien Mélina qu'il fallait aller, c'était pas sur la place. Bravo, moi j'aurais récupéré quelques objets et tout. Voilà, la demeure de Bosch, c'était ici. C'était ici. Oh, vous voilà, vous voulez encore jeter un coup d'œil à ma... Attends, quoi? C'était P, c'est Grande Léone. Où l'avez-vous trouvé? Pourquoi votre nom est-il inscrit sur sa poignée? C'est une longue histoire. Mais ce n'est pas pour me poser cette question que vous êtes venu me rendre visite, n'est-ce pas? Vous avez raison. Serait-il possible de la réparer? Je pourrais si j'avais de la pierre onirique dont elle est faite. Une pierre onirique? Où peut-on en obtenir? Je doute que vous puissiez en trouver. C'est une pierre rouge brillante autrefois, plus précieuse que l'or. Mais c'était il y a très très longtemps, plus longtemps que vous ne pourriez vous l'imaginer. Tu vends quoi? Intéressant. Ok. Ouais. On va aller en moins 65 millions. J'imagine. C'était où? C'était la maison ici. Hein. Oui, c'est ça. On va retourner dedans. Hop. Et bien, c'est parti en moins 65 millions. Donc j'imagine que le chef de tribu est apparu. Oh, on a des détours à faire. Hein. C'est cool. On a des détours à faire. Là. Super. Ça a l'air d'être la suite logique. On va se casser la gueule une nouvelle fois. Ah. Ils sont ouverts et recouverts d'écailles. Qui sont-ils? Bon, pas le choix de rentrer en combat. Hein. J'ai rien demandé, mais... Pas le choix. Classe. Ici. C'est surtout une aptitude aussi utilisée sur certains monstres. Avec le héros principal. Ils font mal? Mais c'est fini, laissez-moi jouer! Il m'a endormi. Il m'a endormi le bordel. On est sur la magie, hein, je vois que c'est toujours plus efficace. Donc. Aïe 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 aïe. Feu. Solo glace. Alors réveille-moi s'il te plaît. Sale bestiole! Fire! Tu vas crever aussi. À fond la magie, à fond la magie! Rien d'autre, taper normalement, ça vaut pas le coup. Les attitudes aussi. Voilà. Un petit sort. Oh bah tiens, on va mettre quand même ça. Je vais peut-être les tuer avec, on va voir. Faire du soin. Boum. Raté. Par contre, ça qui vient, c'est que ils peuvent rater, mais
Luca met quand même son contre. Ça fait des dégâts gratuits. Ah bah voilà, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Pétale. Encore ? Oh bon dieu. Ils sont trop nombreux. Bah t'as vu ça ? Qu'à nous faire, Agito ? Ah bah... Ah super, trop bien. Le stylé. Mais l'over stylé. Ah bon, je crois que la cinématique n'a pas été enregistrée avec mon logiciel pour record. Donc au pire, j'ai récupéré la cinématique quelque part, puis je vous la mettrai. Est-ce qu'elle est forte? Qui est-elle? Oh non, pourquoi il nous regarde comme ça? Ah, il y a quand même du combat à faire. Quand même. Hop. Ah, c'est vrai que la version Steam... Alors c'est cool hein, version Steam, mais... Je pense clairement que j'aurais dû prendre sur console de salon. Ça aurait été beaucoup mieux pour filmer et tout. Là, il y a vraiment des problèmes partout. C'est pas ouf. Je m'en expliquer, voilà. On m'a expliqué que justement, quand on voyait pas les prix des équipements, c'est que ça dépassait les 1000. Vraiment, c'est ça. J'avoue que... Qu'est-ce qu'ils ont fait de la version Steam? Entre les bugs depuis la dernière mise à jour de déplacement où ça me déplace lentement. Ça, il faudrait une autre manette, mais j'ai... Qu'est-ce que je pourrais mettre? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Ah! Oh, madame. Avec sa petite culotte en plus. Toi, être fort. Toi, t'appeler comment? Agito, hein? Ah, c'est la même qui parle. Agito, hein? Joli nom. Moi? Ayla, tu t'appelles. Bon, je vais garder Ayla en vrai. Hein. Je vais garder Ayla, ça me paraît bien. Ouais. Moi, Ayla, Ayla et mes hommes forts. Oh, moi aussi je t'aime bien. Écarte-toi, Agito. Tu es une admiratrice musclée, Agito. Chouffe les muscles. Mais chouffe la culotte. Vous êtes tous forts. Ayla et mes hommes forts et femmes fortes. Ah, d'accord. Je ne suis pas intéressé. Vous venir d'où? Comment pourrions-nous te l'expliquer? Nous venons d'après, après, après, après demain. Haha, vous êtes drôle. Et là, aimez gens drôles. T'aimes tout, toi? Nous n'y avons pas. Vous venir village, festin de bienvenue, boire, danser, s'amuser. Nous aimerions vraiment t'accompagner, mais nous sommes à la recherche d'une pierre onirique. Pierre, pierre partout, là-bas, ici, village. Si vouloir pierre, elle a donné beaucoup de pierres. Je suivre Ayla, Yoka par ici. Et je te suis. Par contre, ouais, mais attends-moi surtout. Attends-moi. Alors, on va esquiver encore une fois les combats. Donc, en effet, on a déclenché tous les événements qu'on devait avoir de base. Oui, ça, je me disais bien, ça m'a l'air compliqué quand même. Cyclone Dora. Vite. Parce que je suis en train de prendre cher. Donc maintenant on a le niveau logiquement pour être ici. Contrairement à avant. Bon, je vais souffrir. Hein. Aïe. Aïe. Hop, cyclone enflammé. Sur les deux là. Je vais exterminer les petits dradras. Ah bon. Sont vraiment beaucoup hein. On va aller se poser au village. Comme on l'a dit, normalement le chef de tribu a dû apparaître. Hop. Donc voilà, si jamais un jour vous voulez vous prendre le jeu, la version Steam pas foufou hein. Quelle meilleure qualité? Moi j'aurais voulu, bah je voulais pour ça une façon, je voulais justement pour la qualité, mais finalement c'est un peu la déception. Qu'est-ce qu'ils ont foutu avec cette version?
C'est chaud, hein? C'est chaud. Avoir une manette, là, quoi, là, que ça me fait marcher au lieu de courir. C'est pas super bien géré. Au bout d'un moment, quand même. Et vous êtes vaincu, vous êtes vaincu. J'essaierai une autre manette si ça fonctionne. Je sais pas si ma PlayStation avec USB, micro USB, je pourrais. Ok, corne, pétale, bah, j'ai tout récupéré. Est-ce que j'ai besoin de me... Ouais, j'ai quand même besoin de me soigner. Voilà. Voilà. Juste avant ça marchait, maintenant ça court. Quelle raison? On ne sait pas, mais bon. Aïe, 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 aïe. Alors, on va aller au village Tandioka, peut-être? Est-ce que tu es là? Non. T'es au niveau du chef, indirect. Hein, non plus, tiens, tu vas me soigner. Non, c'était pas toi. C'était qui me soignait? C'était toi. C'est toi. L'eau du courage. Hop. Temps du chef. Ah. Sur la chef? Agito, nuit bientôt tombée. Festin, être prêt. Agito, suive. Elle est là. Tout le monde, écoutez, Ella, voici nouveaux amis. Homme fort, Agito. Et aussi Laura et Luca. Ouga! Maintenant, dansez Bobonga. Je peux me déplacer? Agito, boire, manger, chanter, danser. Fois la musique est trop bien. Hein. Allez Gito, amusons-nous. Nous voilà dans de beaux draps. On va transmettre musique à enfants et enfants des enfants très très longtemps. Tout 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 tout. Oh ouais. On se met dans l'ambiance. Bobonga konga bunga bunga. Boka boka konga bunga bunga. Elle a organisé festin pour étrangers qui n'ont pas comprendre. Ok, tu dis la même chose, toi. Et toi aussi. Agito, goûter sous spécial de grains écrasés, miam miam. Elle a combattu saurien. Azara être chef des sauriens, très intelligent. Tribu Yoka se battre, sinon joindre tribu de Laruba. Et là, pas savoir où Laruba être. Laruba toujours fuir saurien. Azara vouloir détruire Yoka et Laruba. Mais Ella a pas abandonné. Si Ella est vivante, Ella combattre. Bon. Aujourd'hui, Ella a rencontré Agito. Jours heureux. Boire, manger, chanter, danser. On parle à toi. Peut-être à nos coéquipiers. Sans bien tout à coup. Je veux danser moi aussi. Eh bien, danse. Bien, Agito, goûte. Vas-y, on va goûter. Je suis pas contre. Allez, sois un homme, avale tout d'une traite. Ah. Oh, bon. Agito cherchait pierre rouge comme pierre de L1. Pierre rouge est très rare, preuve de force, Ella est plus forte d'Yoka. Alors Ella avoir pierre rouge. C'est Agito battre Ella, Ella donner pierre rouge à Agito. Défi Ella? Non. Ah, je suis obligé de dire oui. Bon, apparemment, je suis obligé de dire oui. Et bah, vous savez quoi? On ira l'affronter pour le prochain épisode. J'espère que vous avez apprécié celui-ci. On a rendez-vous pour la suite de notre aventure. On va combattre et là, on va voir comment ça se passe. Des bisous et à la prochaine, c'est Agi. Tchuss, Ouga Bouga.